Et maintenant, un combat dans la catégorie des featherweight. Ce combattant est un expert en soumission. Très peu dans cette catégorie peuvent se vanter d'avoir un tel niveau. Il va sûrement tenter d'amener ce combat au sol pour en finir rapidement. Ce combattant a un don, celui de tordre ses adversaires dans tous les sens jusqu'à ce qu'ils abandonnent. Ça ne m'étonnerait pas qu'il nous refasse une démonstration face à son adversaire du soir. On risque de voir une belle démonstration de striking ici. Sa stratégie est claire, rester debout et transformer ce combat de MMA en un combat de kickboxing. Il est tellement rapide que peu d'adversaires ont réellement réussi à le toucher. Sa vitesse lui confère un avantage certain qui lui permet de se placer systématiquement avec un coup d'avance. La présentation de ce combat dans la catégorie des featherweight. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. When the action begins, our referee in charge of the octagon, Yves Leving. And now, this is the moment UFC fans around the world have been waiting for. Live from the sold-out Madison Square Garden Arena in New York City, it's time! 5 rounds in the UFC featherweight division. Introducing first, fighting out of the blue corner. This man is a jiu-jitsu fighter holding a professional record of 15 wins, 3 losses. He stands 5 feet 7 inches tall, weighing in at 145 pounds. Dan 50K Egan! And now introducing his opponent, fighting out of the red corner. This man is a kickboxer holding a professional record of 16 wins, 6 losses. He stands 5 feet 7 inches tall, weighing in at 145 pounds, fighting out of Seoul, South Korea, the Korean Zombie, Chan Sung-jung! Okay, guys, protect yourself at all time, obey my command at all time. If you want to touch love, do it now, go back to your corner. Marque de respect avant de retourner respectivement dans leur coin. Dans ce genre de situation, où les styles sont si radicalement opposés, c'est un peu à qui fera la première erreur. Une frappe lourde bien placée pour mettre fin au combat, mais si elle est contrée, cela peut se solder par une soumission inattendue. Hop, 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 attention à ce coup de pied à la tête. Il est touché, mais il s'en sort bien. Et ce coup touche sa cible. Quelle fluidité! Il ne rigole pas avec ses blocages. Les coups sont d'une puissance incroyable et aucun ne semble flancher. Oh, il encaisse ce coup encore. Il passe à côté avec son coude. Chen Sung-jung qui a décidé de faire parler ses poings. Quel boxe! Un coup qui touche. Et encore un jab. Belle série.
passe un high kick. Ça ne touche rien du tout. Oula, ça doit faire mal. Oh là là, on ne peut plus les arrêter. Et un coup de coude à la tête. Il le touche. Voilà une bonne gauche pour la route. Oui, elle va compter. C'est donc parti à 100 à l'heure dans ce combat. Oui, il a voulu frapper un grand coup d'entrée au sens propre comme au figuré. Il place un bon coup de pied au corps. La frappe de Young. Quelle force dans la parade. Il touche son adversaire avec cette gauche. Ça touche, direct du droit. Joli crochet par Jung. Jung qui cherche à passer le Dust Choke. Oh là, son bras est en danger. La pression exercée sur son cou est de plus en plus forte. Ah, c'est incroyable! Il se sort du Dust Choke, je le croyais perdu. Contrôle latéral. Ah, voilà ce que je préfère dans le MMA, le ground and pound. Vous aimez le combat rapproché? Oh oui. Ah, il vous a entendu alors. Regardez cette belle série de coups! En full guard. Ils se relèvent tous les deux. Malgré une mauvaise position, il atteint sa cible. Dernière seconde du premier round. Fin du premier round. Superbe coup de pied au corps. Et on peut revoir ce violent coup de coude. Et on revoit son coude qui s'écrase contre la tête de son adversaire. Et on enchaîne déjà sur le deuxième round après un bon premier acte, mais sans plus. Oui, la définition même du round d'observation. Une frappe qui l'envoie au sol. Waouh, quel low kick. Le combat continue debout. Quel puissant crochet. Et boum, le coup de poing qui arrive. Attention, on a un spécialiste de la boxe. Il cherche la coupure. Il porte un puissant low kick. Il le rate. De peu, cet overhand du droit le déstabilise. Et le kick qui touche la jambe. C'est une machine à découvrir. En droite qui ne trouve pas sa cible. La frappe est bloquée. Et c'est raté. Superbe low kick par Jung. Il le rate avec cette frappe. Jung Sun Jung nous montre une résistance surprenante. Il a clairement une mâchoire en acier trempé. Un peu plus de 54 frappes réussies pour Jung Sun Jung et 50% de précision face à Jung Sun Jung. Et voilà une bonne garde qui vient encaisser le coup. Ouais, mieux vaut que ça touche la garde et pas le visage. C'est mieux, oui. Il a eu le bon réflexe. Et il colle son pied en pleine tête. Oh, c'est terminé. Et le combat se termine donc sur une puissante frappe et un KO assez violent. C'est aussi ça, l'UFC. On va revoir les actions de ce round. Une
Une superbe frappe qui a mis fin à ce combat. Il n'a laissé aucune chance à son adversaire de revenir dans le round. Et maintenant, Bruce Buffer va officialiser le résultat. On l'écoute. Ladies and gentlemen, referee Eve Levine has called a stop to this contest. At 2 minutes, 56 seconds of round number 2. Playing the winner by knockout, Dan 50K Eden. On tient donc notre vainqueur pour ce combat. Et par KO, s'il vous plaît. Ah, il a fait lever la foule avant de lever les bras. Il faut dire qu'il nous a régalé de nombreux gestes techniques assez rares. C'était vraiment un très beau combat.